Messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fa-Fa. Restez bien scotchés dans vos fauteuils, dans vos divans, parce que ça va déménager tout à l'heure. Recevez votre humble serviteur que je suis, comme a pour son habitude, le César Serge de Fallet, la légende vivante. Mais je ne suis pas tout seul, je suis avec la célébrissime, la grande et la géante, Chola, Chola. Bonjour. Chola. Alors bonjour Chola. Comment tu vas Défalé? Comment tu vas? Moi je vais bien. Hein? Ben, j'aime bien la couleur de tes ongles. Hein? Merci, c'est du rose bonbon. Attention, yeah. On va se bonbonter. On va framponner le farafa. Voilà, mais c'est les agrisalis, comme d'habitude. Alors aujourd'hui notre invitée, elle est dans la sphère du showbiz et elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle est très excellente dans son domaine. C'est rare en général de voir une femme exceller dans ce domaine parce que c'est, on dirait que le showbiz, c'est un mouvement des men et des macho men, comme vous le savez. Mais elle a réussi à se faire son chemin. Mesdames et messieurs, nous recevons ici la plus belle, la charmante, celle-là qui a les cheveux de feu. Emma Dobré. Emma, toujours toi, tu as cheveux de couleur sur ta tête. Vous savez ça là aussi, c'est quelque chose. C'est comme ça, c'est l'histoire de la rouquine. Tu dois toujours être. Tu gardes toujours le système de la rouquine. Ouais, je change pas. Mais comment va la production de Diesel Kerosene? Celle qui produit en haut et en bas. Super bien. Bon. Tu entends ce qu'il a dit? Celle qui produit en haut et bien produit en bas. C'est juste pour rigoler. C'est juste pour taquiner. Sans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Attends, si tu as des drôles de manières de rigoler souvent. Oui, souvent ça ambiance. Et puis apparemment, ça a ambiancé. Ah, c'est bon. Chaque fois, on nous dit comme ça, c'est pour rigoler, alors qu'à la vérité, il y a des choses qui se passent. Non, mais ça, c'était pour rigoler. Non, ça, c'était pour rigoler. C'était juste pour rigoler. Il y a des rigolades. Il y a ça aussi. Ça aussi. Bon, déjà, bienvenue chez nous. Merci, merci. Je vous salue. Bonjour, bonjour à vous. Voilà, tu as la maison. Et merci pour l'invitation. Oui, tu as la maison. Il faut que tu tu vois. Alors, déjà, moi, j'aimerais que tu te présentes à d'autres téléspectateurs. Emma Dobré, qui es-tu concrètement? Parce que tu es arrivée comme un cheveu sur la soupe, dans le monde, dans la sphère. Des médias en Côte d'Ivoire, et puis bim, un coup Emma ici, un coup Emma là-bas. Voilà, c'est qui même? C'est la princesse de l'éternel. Emma et... Dobré, à l'état civil, c'est Dogba Emma Dobré. Dogba. Je suis BT de Gagnoua. Puis le Dieu. Voilà. Et je suis Guébier de Niamagnoua. Vous n'êtes pas nombreux, les Guébier. Voilà. Non, vous êtes peut-être 12, hein? Oui, même encore. Ça a vérifié. Je comprends, c'est pour ça que tu es une personne assez particulière. C'est ça. Parce que tu sors d'un peu particulier. C'est tout, tu as tout compris. Et quand on voit Emma Dobré, on a l'impression que c'est une femme super forte, hein, qui aime aller de l'avant, c'est-à-dire tu piétines, voilà, tout ce qui est sur ton passage, ou bien c'est juste une impression qu'on a? Non, mais c'est ça, parce que j'aime foncer, c'est la vie qui m'a rendu comme ça. Mm-hmm. Donc, non seulement je ne me laisse pas faire, et puis comme je n'aime pas tendre la main, donc je suis obligé d'aller au charbon, comme on le dit, et me battre pour gagner ce qui me revient. Ça te pose pas souvent problème avec les gens? Pas du tout. Mm-hmm. Après, moi aussi, je m'occupe pas de tout le monde. Je m'occupe pas des gens, en fait. Mm-hmm. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et puis j'avance, tout simplement. Super. Super. Alors, mais on sait que c'est vrai qu'on va toucher un peu au côté de ton passé. Tu sais que ça fait pas du fa-fa, il n'y a pas de dedans. Voilà. Fais encore. Fais encore. Mais là, par contre, il y a fait ça pour de vrai. Hein. Ok. L'émission vient de commencer. Voilà, ça vient de commencer. Alors, Emma Dobré, on sait que tu n'es plus avec Saga Junior. Saga Junior, bien le bonjour depuis ta position là-bas. Bonjour frère, bonjour, Saga, ouais, Junior. Bonjour, Saga Junior. Bonjour. Non, la légende désormais. La légende sera désormais, ok. On sait que tu n'es plus avec Saga Junior. Déjà, il faut rappeler qu'elle a été avec lui des années. Oui, pendant des années. Non, ça, toute la nation le sait. Mais aujourd'hui, depuis, on va dire depuis presque un an, elle n'est plus avec Saga Junior, ça a été officialisé que la séparation a été consommée. Est-ce qu'Emma Dobré est un nouvel homme dans sa vie? Oui. Tu es pressé de répondre. Mais tu es pressé, attends, faut attendre un peu. D'accord, il y a une. Ok, je pensais que j'avais fini. Il fallait répondre ta question, elle a trop vite répondu. Il faut répondre. Bon, est-ce que tu es un nouvel homme? Je n'ai pas réfléchi pour ça, en fait. Non, mais attends, il va finir d'abord. C'est comme si tu veux te débarrasser de Saga d'une manière. Voilà, tu es prêt, on veut parler. Alors, qu'est-ce que tu retiens de beau de ta relation avec Saga Junior? Si elle retient quelque chose de beau, justement. C'est ça. Il y a ça aussi. Question. Bon, réponse alors. Une chose est sûre, on n'est plus ensemble. Oui. Voilà. J'ai un autre homme dans ma vie.
Ok. Tu es dans le showbiz aussi? Je ne dirais pas. C'est Kérosène? Je ne dirais pas. Non, mais il faut qu'on sache. Non, non, mais pas ça. Parce que là, dans la première question, j'ai montré, après, ça ne s'est pas bien passé. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de ne même pas parler de lui. De Kérosène? De l'homme avec qui je sors. Ah, d'accord. Ah, de tu ne veux pas parler de lui, tu ne veux pas qu'on sache qui il est et tout voilà, ça. Voilà, tout simplement. Moi, je sais qui c'est. C'est qui? Mais si je le dis, est-ce que tu permets non, tu peux. Mais fallait, on peut dire le nom. On peut dire. Allez-y. Non, je pense qu'on va, on va attendre un petit moment. Attendez, si elle ne veut pas se rallier. Si elle veut, tu ne veux pas te rallier. Si elle ne veut pas se rallier, on va casser le papier. Non, parce qu'on est arrivé, maintenant, on n'a plus le temps. Non, nous, on n'a plus le temps. Voilà, tu te rallies ou bien on sort le dossier. On sort le dossier. D'accord. Vous allez sortir alors. D'accord, il n'y a pas de souci. Okay. Déjà, on va continuer avec Défalé. Il a demandé, oui. Est-ce que tu retiens de ta relation avec Saga? Ce que tu retiens de beau, hein? De beau, oui. On dirait qu'elle n'a rien retenu de beau, hein. Ou bien ce qu'elle retient maintenant, si elle dit le nouveau, peut-être ça peut le fâcher. Ou bien ce que tu as retenu de mal. Non, mais toi, tu es fort quand même, hein. C'est ça. Ou ce que tu as retenu de mal. On m'interdit de parler de ça, au fait. C'est vrai que c'est mon passé, mais c'est pas... Oui, mais il faut que ton homme, le nouveau, enfin, sache que ça fait partie de ton parcours. On ne peut pas parler de Emma sans parler de Saga, la légende. Ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas d'accord. Si, ça va te suivre. Dans toutes tes interviews, bébé. Au moins, celui qui a laissé l'enveloppe, on peut parler de lui. Je ne suis pas d'accord. On peut parler de moi sans parler de lui. Comme on peut parler de lui sans parler de moi. Si on peut parler peut-être de Kérosène et forcément parler de moi. Ça, il n'y a rien à dire parce qu'on travaille ensemble, on est liés. Voilà. Mais Emma, je ne suis pas d'accord. Si. Mais votre lien, que... c'est un lien fou, vous êtes liés. Mais avec Kérosène. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est Kérosène, avant de le produire, c'était mon meilleur ami. Cette liaison, elle est juste professionnelle ou elle est. Ou bien elle est liaisonnable. Non, pas sexuelle. Et des fois, quand on travaille de façon professionnelle, il arrive que le sexe s'intègre dans la relation professionnelle. On est pro. On travaille en pro, on est pro. C'est pour ça qu'on est encore ensemble. Bon, on va laisser Kérosène pour l'instant. Ouais, je dis bien pour l'instant parce que moi je veux. Emma, mais est-ce qu'on va se parler? Mais parce que on va se parler. Hein. Non, mais moi je suis là pour ça. Hein. Oh, je veux qu'on revienne à l'affaire Saga la légende. Voilà, bon, déjà le nouveau, tu arrives et tu demandes à la dame de ne plus parler de l'ancien. Ça veut dire que lui, il veut complètement. Il veut supprimer Saga de ta vie. Il ne me l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit. Mais il a juste dit ce qu'il devait dire. Mm-hmm. Mais il ne me l'a pas dit. Mais il n'a qu'à savoir aussi quand même que tu as fait des années avec Saga. Vous êtes adoré, vous êtes aimé. Moi, je vous ai vu la relation, c'était magnifique. Non, c'était Saga était fou, amoureux. Emma était là au service de son homme. Elle le chouchoutait, le dorlotait. Mm-hmm. Et puis un bon matin, on apprend sur une chaîne de télévision, Emma Dobré qui lance une bombe à laquelle on ne s'attendait pas. Je ne suis plus avec Saga, la légende. Et le mec même n'était pas au courant. Mmh. Ah, bon, il a dit qu'il n'était pas au courant de ta décision. Mais non, on l'a demandé dans Fafa et Sidi, donc il n'est pas au courant. Il n'était pas au courant, c'est à la télévision qu'il a appris que tu t'es séparé de lui. Ça, c'est fort, ça. Et moi, c'est les méchants, hein. Qui ça? Emma. Emma, son cœur est noir. Non, on ne peut pas faire ça. Ça va bien. Ça va bien. Donc, il nous a menti. Ah, je ne sais pas. Saga, tu as menti? Ah non, je ne sais pas. S'il a menti, il n'a pas menti. Même de Kérosène, il a la vie. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Saga, la légende, comme ça? Non, mais ça n'allait plus. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, j'aime pas. J'ai pas dit qu'il n'y avait plus d'amour, parce que quand même, tu as quand même passé quand même, on va dire quoi, combien d'années avec une personne, tu n'as pas que tu levais, mais tu as dit que non, il n'y avait plus d'amour, il y avait quand même quelque chose, mais je vais dire, ça n'allait plus. Il y avait trop d'histoires, il y avait trop d'embrouilles, et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et moi, je n'aime pas durer dans les embrouilles, donc quand ça ne va pas, je me casse. Tu stops direct. Direct. Mais je veux dire, voilà. Tout au long de la relation, pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup d'embrouilles aussi. Oui, oui, voilà. Ou c'était l'embrouille de trop. La goutte d'eau, c'est ça. Mais bon, apparemment aussi, l'embrouille aussi, à ce qui est parlé, le centre de l'embrouille, c'est Kérosène. Mais pourquoi lui? Ah, voyez, c'est ce que Saga nous a dit. Non, mais pourquoi Kérosène? Là, c'est ce que Saga a dit. Non, mais... Que Emma Dobré avait fait plus de favoritisme à son artiste. Et moins de favoritisme à son mari qui est aussi un artiste. Ça a créé certainement une jalousie. Ça a créé déjà, non, voilà. Je pense que c'est lui qui a peut-être pris ça comme ça. Sinon, il sait que je ne peux pas... Non, mais je ne voyais vraiment pas de problème, franchement. C'est que c'est lui qui a peut-être pensé que... Mais tu sais que quand tu as le problème en général, tu ne peux pas avoir le problème, non? C'est ça. Parce que le seul qui m'a reproché, c'est pourquoi est-ce que quand on était sûr, je ne le défendais pas, mais ils ont dit qu'il était gigolo. Oui. C'est pas un gigolo. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, tu pourrais répondre que c'est pas un gigolo, mais il dit que tu n'as pas dit dans ta bouche. Que tu dis c'est que sur toi tu produis. Donc ce que moi je vais dire là, est-ce que lui il va prendre... le laver?
Me laver dans quoi? Sa réputation de gigolo, sur le trait de gigolo que tu ne le défends pas, ça veut dire que tu consens. Parce qu'on dit qui se tait consent. On dit ton gars est gigolo. Si tu ne sors pas, tu ne montes pas au créneau pour dire ah non, je ne l'entretiens pas, bah ça reste dans la mémoire de tout le monde. Mais si je lui ai dit sur une chaîne télé, plusieurs fois, je l'ai dit. Ah ouais? Sur une chaîne télé, pardon, on m'a demandé et je l'ai dit. Donc, Défalé, toi, tu as appris que, enfin, Saga a dit ici que c'est à cause de kérosène que Emma et lui. Non, ça pas directement comme ça, mais vu les questions qu'on lui posait ici, quand tu entendais les réponses, tout tournait autour. Ça sous-entendait. Moi, on a ouï dire à mon niveau que Emma n'était pas fidèle dans la relation avec Saga, la légende, et qu'il aurait appris que tu le trompais avec même ses amis. Qu'en est-il exactement? Quel ami? Bon, on ne m'a pas cité de nom, mais on a dit que tu sortais avec les amis de Saga. Il a même découvert une relation de toi et un de ses vieux pères ou un de ses potes, en tout cas qui est nanti, qui a un peu. Et que ce gars-là même te mettait vraiment dans des comptes de très bonnes conditions financières. Et Saga a fini par apprendre cela. C'est pas moi. Tu es sûr? Sûr et certain. On dit le gars même t'a donné, je ne sais pas si c'est voiture ou bien terrain, un truc comme ça. Oui, je pense que c'est terrain, je ne sais plus trop. En tout cas, ça a beaucoup couru dans la ville. J'ai entendu ça beaucoup. Qui a mis ça dans la ville? Ça, je ne peux pas savoir. Donc, c'est lui qui a mis ça dans la ville. Qui, ça, Saga? Mais qui a mis dans la ville? Non, donc, je ne pense pas. Parce que quand tu me parles de terrain, moi, je fais peut-être allusion à mon ami. D'accord. Qui est... Bon, je ne dirais pas le nom, c'est une personne que j'ai présentée à Saga, au fait. Et lui, je le connais, ça fait maintenant plus de 15 ans, 20 ans, je le connais. Et quand j'ai connu Saga, je lui ai dit, plus ou moins montré mes amis avec qui je marchais. Ça s'arrête là. Sinon, pour dire sortir avec lui, ses amis... C'est quel ami de Saga avec qui moi je suis sorti ou bien avec qui je suis sorti? Tu n'as pas un ami qui t'a offert une voiture ou bien... Non. La seule personne qui m'a offert des voitures sur cette terre, c'est Kérosène. Sinon, si on m'offre une voiture, vous allez voir, j'ai connu la voiture. Mais trois voitures, c'était Kérosène. Donc, à part Kérosène, personne ne m'a donné de voiture. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, au fait. Ah bah. Que je l'ai trompé, je ne sais pas de quoi on parle. Ouais, les gens disent que il y a oui, même pas de lui. Tu sortais avec quelqu'un ou des amis proches. Bon, qui, je sais mais pas qui a présenté qui à qui, si mais... c'est les dragueurs, ses amis me draguaient, mais je ne sortais personne. Il savait ça? Oui, je lui dis, il sait, je lui dis. Que ses amis proches te draguaient? Oui, je lui dis, mais il sait, je lui disais. Je lui ai jamais rien caché. Comme ça s'est fait bien dans le coupé décalé. Ben oui, mais je lui disais, il savait. Là, c'est le coupé décalé. Et puis, pour dire, non, qu'il sortait avec lui, ses amis, je ne sais pas de qui, quel ami il parle déjà. Qui? Bon, après, ce n'est pas lui qui l'a dit, hein. C'est dans la ville que ça racontait. Moi, j'ai entendu. Non, ce n'est pas possible. Je te parle de quelque chose. Le béret était lourd ce jour-là. J'ai soulevé le béret pour te donner. Non. Il y a une même qui m'a dit que toi, tu fais rivalité avec elle par rapport à je ne sais plus qui. Bon, il y a des noms, on ne peut pas citer là. C'est mieux de les recevoir. Toi. Toi, tu connais, mais toi, tu as parlé de concurrence sur garçon. Parce qu'elle sortait avec un gars. Apparemment que. Et puis moi, toi aussi, tu étais sur le même terrain. Le même terrain. Qui a joué garçon avec moi? Qui? Ah! Ah, il n'y a pas de problème de garçon avec toi. C'est pas possible. Attends, c'est Emma. Pas... Non, je t'ai dit clair. Si moi, Emma, je sors avec un mec, la vie qui va venir. Il faut laisser. Il n'a même pas le temps même. C'est moi qui t'ai dit ça. Elle ne peut pas prendre le gars. Elle ne peut pas. Bon, qu'est-ce qui a la particularité de Emma Dobré? Non, Emma, toi, tu n'as jamais arraché gars dans ta main. Ça n'a jamais existé. Puis c'est moi qui laisse. Hein? Tu es une donneuse de gourmet professionnel. Oui. Ah non. Oh, on joue pas, je vais moi. C'est moi qui laisse. on ne te laisse pas. Non, c'est pour ça que tu as laissé Saga la légende comme ça? Non, après, laisse déjà, je vais passer. Non, c'est moi qui laisse. C'est pour ça que tu l'as laissé comme ça, Emma Dobré. Laisse comme ça les enfants déjà. Je dis, je sors avec une personne. Emma, enfant de quelqu'un, ils ont mis 9 pour moi. Je dis, je sors avec une personne, ça ne va pas, je le laisse. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est comme ça. Non, j'ai assez souffert. Aïe! Comme ça? Non, quand tu sors avec une personne, c'est pour le bonheur. On est d'accord. Maintenant, quand ça ne va pas, on essaie de régler. Mais quand on règle et que ça n'avance pas, on se quitte. Mais... Parce que moi, je ne suis pas pour les autres. Est-ce que tu sais dans quelles conditions tu as laissé Saga? On ne t'a pas dit un peu qu'après la séparation... Déjà, le mec et moi, on a fait un an de gens, on ne vivait pas dans la même maison. Donc, ce qu'il vivait hors de moi, je ne savais pas. Donc, avant la séparation, il y avait séparation de corps. De séparation de corps. On était mariés. Non, mais vous viviez ensemble, non? Après, quand on était ensemble, là, les deux corps étaient ensemble. Mais là, maintenant, là, il y a okay, moi et Emma. Non, franchement, Emma. Son cœur. Emma. Non, faut comprendre un truc. Moi, Emma, j'ai trop souffert, en fait. Je ne sais pas si c'est la souffrance qui m'a rendu rebelle,
Mais s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, qu'un homme se foute de moi, mm-hmm. ou bien un homme me prenne comme il veut, mm-hmm. ça ne marche pas avec moi. D'accord. Quand je sors avec une personne, je suis censée être heureuse. Mm-hmm. Okay. Je suis censée être épanouie. Parce que la vie m'a tout montré, m'a tout appris. Mm-hmm. Mais là, si je suis avec toi, parce que quand je suis avec un homme, je me donne à fond. C'est je ça. Suis à 100. Donc, on me dit non, que je l'ai trompé. Ça, c'est, je confie ça à Dieu, en fait. Mm-hmm. Je suis à fond, à 100%. Même si j'ai petit, je lui donne. L'amour, je lui donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas me cacher, je suis vrai. Mm-hmm. Maintenant, quand je suis vrai et que tu fais un petit truc, forcément, ça me blesse. Mm-hmm. Okay. Voilà. Donc, souffrir, du coup, voilà, je parle. Et quand je ne parle plus, mm-hmm. c'est que je suis parti. Et c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc, tu n'étais plus heureuse. Enfin, c'est ce que tu as pas dit. Que je n'étais pas heureuse. Moi, je suis heureuse parce que, en griffe, j'ai quand même le peu que j'ai. Mais dans la relation, je n'étais pas à l'aise. Mm-hmm. Okay. Je n'étais plus à l'aise. Mais le nouveau, là, Est-ce qu'il a les compétences de Saga? On sait que Saga, c'est un gars qui est élégant. C'était parce que ça n'a pas sa place, parce qu'il est toujours vivant. C'est un gars qui est élégant, il est chic, il aime prendre soin de lui, c'est le bon chic, bon genre. Est-ce que le gars est comme Saga ou il est mieux que Saga? Non, je ne compare pas les deux. Je ne veux pas comparer les deux. Parce que Saga, il a son truc et c'est lui ça. Aussi, il a son truc. C'est ça. Donc, je ne veux pas comparer les deux. Mais ça, c'est clair. L'autre, il n'est pas gigolo. Mais Saga n'était pas gigolo. Non, mais les gens disaient. Non, ça, c'est les gens qui disent. Ah. Moi, les gens, ils parlent. Même moi, on parle sur moi. Comment de fois on dit, je suis avec Rosette. Ah, mais ça m'a jamais intéressé. Mais est-ce qu'il y a fumé sans feu aussi? Pas toujours, si on ne pas dire ça. Moi, c'est fumé sans feu. Non, c'est que. Mais pourquoi la même chose? Tu es soir avec toi aussi? Non, moi, c'est pas. Oui, parce qu'en même temps, nous, on va toujours ensemble. On dit, soir avec toi. Non, ça veut rien dire. Ah, ça ne veut rien dire. Ah, mais tu te jettes. Non, quand ça veut dire, c'est toi, ça veut rien dire. Mais quand c'est Kérosène, il n'y a pas fumé sans feu. C'est une belle femme. C'est sorti ici, il peut sortir. Mais ça, c'est pas un problème. Ah, un problème. Mais le problème là, c'est l'homme qui est là tous les jours. Mais c'est à toi tous les jours. Il fallait à des choses. Je suis à toi tous les jours. On va en boîte ensemble, non? Faut bien t'as oublié. Mais monsieur va en boîte. Maintenant, tu as arrêté. Mais moi, là. On est tous parlé ensemble. Hein. Donc, pas s'il vous plaît. Le phare est en train de prendre une autre tournure. Si. Cette fois-ci, aujourd'hui, là, ton affaire est Kérosène. On va voir clair d'aujourd'hui. Mais il y a rien à voir, même. Attends. Mais le direct de la soeur de Kérosène qui disait que oui, tu as celle Kérosène. Oui, ça sort. Forcément sortir avec lui. Bon, elle sort. Que même tu as toutes les go de la sorte. Les go. Bon, il y a une Emma, il y a te donné un son. Il y a une go qui était fan de Kérosène. D'accord. Elle dit qu'elle veut traquer le gars. Mm-hmm. Mais qu'à chaque fois qu'elle veut rentrer dans les 16 mètres, elle te voit, tu bloques. Je bloque comment? Elle bloque quoi? Elle veut dire, calme, t'as vu le football là? Quand tu veux prendre le ballon, il faut calage. C'est un gardien de but. Je bloque quoi? Tu bloques rien? Papa, aujourd'hui, elle est pimentée. Elle bloque. Elle cale. Non, Kérosène a son cœur, il soit la fille qu'il veut, mm-hmm. il se met à l'aise. Moi, je ne veux pas caler les filles. Est-ce que moi, je peux diriger le cœur de mon grand? Je ne veux pas diriger son cœur. Il choisit la fille qu'il a envie de sortir. Tout mais la rumeur même de ta relation avec Kérosène, elle n'a pas commencé maintenant. Hein. Elle a commencé avant même que Kérosène prenne de la hauteur. Avant même que l'autre même rentre dans ma vie. Saga, effectivement. Oui, voilà, sûr. Les gens disaient qu'à Paris, tu étais sorti avec lui. Si, tout ça. Moi, ça m'étonne. Et quand on dit que Emma Dobré et Kérosène ne se sont jamais vus nus, ça, c'est faux. La question reste posée. C'est faux. Madame, nu comment? Mais nu, est-ce que vous êtes frère? Non, nu, et puis vous l'avez ensemble. Dit, bon, justement, c'était pas d'aller à la plage. Nu de plage. Puis, nu. Non, vous devez comprendre que vous et moi, il n'y a rien eu. Hein? Voilà, non. Elle dit, c'est pas nu où on se voit, on dit bonjour pour se dépasser. Elle dit qu'il y a nu dans une maison. Tu as dit un truc, tu as dit, donc la soeur de Kérosène, c'est pas sa soeur. Tu la connais? Non, c'est pas sa soeur. Mm-hmm. C'est ça quoi? C'est une vlogueuse, bien je sais pas quoi là, qui vit dans un autre. Non, c'est elle là. Il n'y a pas un parent ou une soeur ou un frère de Kérosène qui va se mettre à la télé pour moi me dénigrer. Mais pourquoi elle fait des choses comme ça? Si, parce que déjà, même quand je me titille, même quand Kérosène a mis le poste pour dire non. Les gens m'ont appelé pour dire non, moi, il n'y a rien, ça, c'est le game. Et puis ça, il n'y a pas. Parce que les gens m'aiment. Mais pourquoi elle s'est permise de faire ça? Non, c'est pas ça. Elle n'a jamais dit qu'elle fait la soeur de Kérosène. Ça, c'est les réseaux qui ont dit ça. Oui, non, après, il y a eu. Elle n'a jamais dit ça. En fait, dans les relais, ils ont fait croire que c'est la soeur de Kérosène. C'est pas sa soeur. Il n'y a pas un parent de Kérosène. Et comment tu t'es senti quand tu as vu le direct rien. De la fille? Habitué à ça, c'est rien, ça, c'est des bêtises. Genre, ça te glisse sur le corps maintenant, quoi. Emma, hein. Emma, oh. Alors, Emma, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? On te dit. Qu'on peut parler de rivaliser, mais tant que tu parles de polygamie, j'ai pas fait ça. Toi, tu es capable de faire ça. Attends, et si toi, Emma, un homme, il a déjà une femme, et puis il te propose de t'offrir tout ce que tu veux. C'est quoi? Maison? Maison. On m'a déjà donné maison. Ouais. Voiture, il y a déjà de voiture. Donc, c'est l'ami quoi, de Saga, là, il t'a donné une maison. Mon artiste m'a donné une maison, non? C'est ça, il y a temps, là. Elle dit que c'est Kérosène qui lui a donné une maison. Non, tu dis maison, c'est Kérosène. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Tu m'as dit que. Moi, je pense que c'est nul. Maintenant, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent.
Mais moi, franchement, c'est nul. J'aime pas. Mmh. Voilà, j'aime pas. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de la polyandrie? C'est pas bon, non. C'est pas bon aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait ça, donc. Après, on me juge, mais... c'est encore plus sale, je pense. Ça, c'est ce que les gens disent. Moi, il y a quelque chose que Emma a dit tout à l'heure qui me chiffonne un peu. Elle a dit, elle ne laisse pas les hommes. Enfin, elle, les hommes ne la laissent pas, c'est elle qui laisse les hommes. Maintenant, Emma, tu es sûre que depuis que tu as commencé à chercher garçon, il n'y a pas un homme qui t'a pimenté. Parce que même la plus dangereuse du monde mondial a été pimentée. Au moins un mougou penseur. Clair, clair. Depuis que tu as commencé à chercher garçon, il n'y a pas un homme qui t'a pas déclaré. Et maman, elle est fouillée de ton passé, nous, hein. Il n'a qu'à sortir. Et puis, il n'a qu'à me dire... Donc, tu n'as jamais goumé. Non, si. Je laisse Pia Goumé. Je peux laisser Pia Goumé. Elle peut avoir goumé. Je peux laisser Pia Goumé. Kérosène lui a donné goumé. Même pendant, mes chers, le gamin, tout ce qu'il fait là, me prépare, je peux avoir goumé. Quand tu vois Kérosène goumé avec une femme là, ça te fait pas mal. Kérosène. Et si son étoile va me donner goumé, si on donne goumé à une étoile. Bon, avant d'être étoile, goumé peut sortir des ailes. Non. Alors, Emma, allons à ta courbe de visite. C'est pour quand le concert de ton artiste Kérosène? Ben, on a deux concerts. On a le premier qui est le 19. Son artiste, ouais. Ouais. Artiste chéri. Oh, mon élu. Voilà. Hein? C'est lui, hein? Son quoi? Son élu. Mais c'est comme ça que je l'appelle. Moi, je l'appelle. Même mon mari, même qui est à la maison, m'a jamais appelé son mais élu. Mais apparemment, oh. Il a un petit nom à elle que tu t'appelles souvent. Oui, c'est mon 10, ma 10. Non, non, il y a un autre nom. Non, c'est comme ça qu'on s'appelle. Non, il y a un autre nom. Non, il n'y a pas. Il m'appelle ma 10. Je l'appelle mon 10. C'est comme ça qu'on s'appelle. D'accord. Il y a plein d'autres noms. Pour l'instant, on ne va pas trop pousser le bouchon. Alors, c'est pour quand les dates? Donc, on a deux dates. On a la première date, qui est le 19 novembre, qui est au Palais de la Culture. D'accord. À partir de 16h. OK. Ça, c'est moi qui l'organise. Mm-hmm. Et on a la deuxième date, qui est le 4 décembre, à Paris, au Bataclan. Et quel côté de la salle? À la 4e place? Non, non, Bataclan, c'est 1600. Non, non, Paris, la Paris, Palais de la Culture. Oui, c'est la 4000. Non, 4000, c'est que la 4000. 4000 places. OK, oui, d'accord. 4000. D'accord. Et on a le coût des tickets d'entrée? Oui, ici, c'est 10 000. Abidjan, c'est 10 000. 25 000, 50 000. Et Paris, on a 37 euros, 45 euros. On a plus ces deux prix-là. Système de prévente à Paris, comme d'habitude? Oui, c'est en ligne. On a tout sur ma page. Oui, en ligne, pas dessus. Justement, parlant du concert de Kérosène, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il sort des sons, mais c'est plus aussi... Ça donne plus aussi, autant qu'avant, tu vois, c'est pas le Kérosène de mon heure a sonné et tout ça. Est-ce que tu penses que Kérosène, à cet instant, peut remplir la 4000 places? Il n'y a pas un poteau en l'air. Mais quand tu dis qu'il ne donne pas, moi je pense que ce qui nous a un peu cassé, c'est là où il a fait son accident. On devait sortir des choses et quand il a fait l'accident, comme il n'avait pas assez de. Il n'était pas encore bien tout. Donc du coup, c'est le truc qu'on a bloqué. Mais après, ce qui concerne la salle, moi je pense que c'est Kérosène. Il a beaucoup de fans. Je pense qu'il est aimé. Quand on dit aimer une personne, c'est d'aller soutenir la personne. Et nous, on met tout dans la main de Dieu. Je pense que Dieu, il fera. Alors, toi, tu es déjà fait. Proche de lui. Comment tu as vécu son accident? Parce que c'était quelque chose de vraiment assez fort aussi. Donc, quand il a fait l'accident, quand je suis allé le voir, moi j'ai pris pour rigoler avec. Je l'ai taquiné, ouais, je l'ai taquiné avec. Pour ne pas. Qu'il soit trop. Voilà. Oui, mais non, je l'ai taquiné avec. Je suis allé le voir et puis bon, on a commencé à rigoler. Dans quelle position il était quand tu es allé le voir? Non, d'abord quand je suis allé, normalement il a fait l'accident à la veille de son anniversaire. Donc je suis parti chez lui très très tôt le matin. Ah, c'est la veille de son anniversaire qu'il a fait l'accident. Voilà, donc je suis allé chez lui très tôt le matin. Il n'était pas là. Il était sorti, il m'a trouvé là. Quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il se portait bien. Dieu a fait grâce, donc du coup je l'ai taquiné. On a rigolé et puis après il a essayé de m'expliquer et puis bon. Voilà. Oui, parce que vu l'état de la voiture qu'on avait sorti de des là, voitures. Des voitures. Ouais. L'état, c'était deux voitures, c'est ça? Deux Range Rover Sport, c'est ça? C'est ça. Mais on a ouï dire que les Range Rover ont été mises en vente, en l'état, voilà, accidentées comme elles étaient. Parce qu'à la vérité, même les voitures n'avaient pas de pièces, elles n'étaient pas dédouanées. Ouais. D'accord, là j'apprends ça. Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Comme tu es proche de lui, j'en parle parce que bon, voilà, c'est non, le mais son je qui pense nous a que été c'est rapporté. Lui seul qui peut donner la réponse. Qui peut donner cette réponse là. Donc, Kérosène, on souhaite te recevoir. Toi-même dans ta bouche, vous que tu as fait venir me voir aujourd'hui. Là. Oui. Ah, tu vas te voir. Je sais. On va régler nos comptes après Fafa. Alors, Emma, est-ce que tu fais partie de la ProDMC, l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire, dont le président est Angelo Kabila? Angelo Kabila. Salut, président Angelo Kabila. Oui, Bigo Grando. Oui. Ok. Oui. Tu fais partie de l'association? Je fais partie, oui. Alors, tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir porter donner des nouvelles opportunités aux producteurs et aux éditeurs? Oui, je pense parce que ceux qui sont dedans, c'est des pros. Voilà. Je suis allé la fois dernière à la réunion au plateau. D'accord.
Et j'ai vu des... Non, pas à, tu vois, à Trècheville, au palais. Okay, au palais. J'ai vu des darons, des anciens producteurs étaient là. Et je vois qu'ils ont plus d'expérience, ils ont plus d'ancienneté. Donc, je pense qu'eux, ils peuvent encore plus nous guider. Mais c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, ok. Une très bonne idée. Alors, on salue le président Angelo Kabila au passage par rapport à cette initiative. Mais en même temps, en parlant de tout ça, en parlant de production, de musique, édition, tu as touché combien de millions pour les œuvres de ton artiste au Burida depuis sa sortie? J'ai touché. Combien de millions? Mais je ne dirais pas. Beaucoup de millions. J'ai touché. Non, mais j'ai touché pour de vrai. Mm-hmm. Puisque j'ai ma carte Burida, donc j'ai touché. Tu es déclarée en tant que productrice de Kérosène. Oui. Donc elle a touché lourd. Non, mais j'ai touché. Elle a touché. Non, mais j'ai touché. Lourd. Dis-nous même. J'ai touché, mais lourd là. C'est là est la question. Donc on va aller ensemble au Burida. Et puis on va leur demander, mais pourquoi ce n'était pas lourd? Mais c'est lourd là. C'est ce que nous savoir. Non, mais c'est lourd là qu'il y a un problème. Avec tous ces titres. Parce que. À succès de Kérosène. De Kérosène, bien sûr. Bon, quand j'ai demandé, est-ce que tu as touché des millions? Tu dis non, tu as touché. C'est que si je n'ai pas touché un million, ça c'est clair. J'ai pas touché un million. Moins ou plus? Non, plus. Ah ben voilà. Non, plus. Voilà. C'est quand même depuis 2016 okay. jusqu'à aujourd'hui, donc quand même. Donc quand plus. Même. Donc plus, donc on va dans plus de 2 millions là-bas. Plus encore. Ah, mais on va dire 5. 10 par là, je pense. Où il y a quel problème? Entre 5 et 10. C'est que si j'ai touché des millions, mais les millions que j'ai touchés, je ne m'attendais pas à ça en fait. Tu t'attendais okay. à plus? Voilà. Et tu as été déçu du comportement des gens du Burida? Non, je n'étais pas disant. Non, elle était question, j'ai posé par rapport à la somme. Par rapport à la somme que j'ai reçue. Non, elle était déçue du montant. Non, par rapport à la somme que j'ai reçue. C'est par les gens du Burida. J'ai demandé, mais c'est tout? On m'a dit oui, c'est tout. Dit, ok, d'accord. Tu as vu? Donc ça veut dire que c'est de son cœur, ça lui fait mal. Non, je n'ai pas mal. C'est une question que j'ai posée. C'est tout? On m'a dit oui, c'est tout. Je me suis arrêté là. Ils ont les raisons, ils ont les raisons. Mais dans que... ton fort intérieur, tu t'es dit... Non, il n'y a rien d'intérieur ici. Il n'y a pas fort intérieur ici. Sûrement. Ça fait mal parce que tu n'as pas reçu ce que tu pensais recevoir. Rien. Et puis Emma, ils ont fait le calcul. Elle veut nous mettre en palabre, tu vois. Elle, les gens du Burida, elle nous dit... Elle et nous, on n'a qu'à aller demander pourquoi ce n'était pas lourd. Emma, il ne veut pas poser question aux gens du Burida. Mais nous-mêmes, pour nous-mêmes, là, on n'a pas bien pris là-bas. On n'a qu'à aller demander pour toi. Et puis on n'a qu'à aller poser question pour toi. Pourquoi nous faire ça? On va aller poser pour nous tout à l'heure. Alors, et ton émission de détection des talents? La Voix des Étoiles. La Voix des Étoiles. Elle vit toujours. Elle vit toujours. Elle vit. Elle n'a pas beaucoup de souffle. Ah. Non, au fait, là, on a fait l'émission. On a fait des mises en boîte. Ok. Yeah. On a essayé de... On a... Bon, on n'a pas essayé. On a lancé les premiers spots. Maintenant, on va lancer le spot final. D'accord. Qui est là où il y a les heures, tout ça. Donc, c'est dans... J'ai signé avec une chaîne de télé qui on va dire que tout le monde connaît. D'accord. Donc, on a fini de faire le montage. Okay. Et ça ne va pas tarder à passer sur cette chaîne. Mais d'accord. On a l'impression que les talents que tu détectes finalement n'évoluent pas. Hein? On a vu le petit Clé Ryan qui t'a accusé de malversation. Ensuite, tu as fait 3 éditions, hein, c'est ça? Deuxième édition, le deuxième, on ne sait même pas où il est passé. Encore une troisième édition. On a l'impression que ça ne décolle pas vraiment ton émission. Pourquoi tu poursuis alors? Non, ce n'est pas ça. Au fait, la première édition, le gagnant était censé être dans mon label. Mm-hmm. Voilà. Donc, quand ce que j'avais promis, c'était que le gagnant fasse... un feat avec Kérosène, ce qui a été fait. Et après ça, il fallait produire le petit. Voilà. Et le contrat que j'envoie au petit, il y a des trucs dedans, dans le cause contrat qu'il n'a pas apprécié. Et ce qui m'a un peu titillé, c'est que j'ai voulu passer... Moi, je l'aimais bien, le petit. Bon, je l'aime bien, puisqu'il est là. J'ai plutôt voulu qu'il vienne me voir, soit au bureau ou à la maison. « Ah, maman, je vais te voir. » Mais tu m'as fait le contrat, mais voilà. Je n'ai pas compris ou bien. Voilà. Est-ce que c'est possible? On peut améliorer ça aussi. C'est juste un contrat. Ça devait se passer. C'est juste un contrat. Ce n'était pas grande chose. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il a. Étant chez lui, il a essayé de tirer les parties qu'il n'aimait pas. Il a fait des captures, il m'a envoyé, il a dit je veux que tu chantes ça, tu chantes ça, tu chantes ça. Et moi, je lui ai dit non. Ici, c'est moi la patronne. C'est mon label, c'est moi qui sors mon argent, c'est moi qui vais te produire. Donc du coup, si le contrat ne te plaît pas, on va rester comme ça. Et c'est depuis lors, j'ai décidé de ne plus produire d'artistes dans le concours, enfin, en fond du concours, et ne plus mettre un artiste dans mon label. Donc après, ce que je fais, quand tu gagnes, je te donne ce qui te revient de droit. Si je peux te faire un single ou un clip, je le fais. Et puis après, on s'arrête là. Après, si tu as...
décoller, tu n'as pas décollé, ça c'est toi qui vois. Mais cette édition-là, comme ce n'est pas encore sorti, donc le gagnant, il ne peut, peut rien faire. Donc, si, ça, c'est comme s'il est sorti avant qu'on ne, on ne diffuse l'émission. Okay. Comme donc, c'est du coup, maintenant, boîte. S'il y a une remise de... Bon, Jean, il y a... De l'eau. Il y a une remise de l'eau. On te donne une enveloppe, à la clé du concours, il y a quelque chose à gagner. Oui, il a déjà tout pris. Mais là, on ne peut pas présenter parce que l'émission n'est pas encore sortie. Non, je ne comprends pas. Je dis, comme tu as changé de stratégie, tu ne prends plus les artistes maintenant dans ton label. Donc, du coup, c'est un peu ça, c'est ça. Donc... Voilà, là, lui, par contre, je lui fais un single, clippé, et puis après... Ok. Bon, on t'avait déjà reçu auparavant dans le Fafa, mais bon, comme les temps sont passés, bon, il y a eu l'histoire, le phénomène du Porti-Porta. Aujourd'hui, qui a battu son plein avec les influenceuses un peu partout en Afrique. Quel est ton point de vue sur cette histoire? De répondre à cette question de Fallait, je voulais demander à Emma, est-ce qu'elle a l'habitude d'aller à Dubaï? Je ne suis jamais partie. Tu ne connais pas Dubaï? Je ne connais pas Dubaï. Dubaï. J'ai jamais visé d'aller à Dubaï. Mais est-ce que ça te tente un jour? Je vais aller voir Porti-Porta, c'est quoi? Aïe. Et c'est pas c'est quoi? Bon, tu vas aller voir c'est quoi? Ou bien tu vas aller tester? J'allais voir, non. Mais tu vas voir, j'allais, ah c'est ça là, et puis je reviens. C'est possible, non? Non, mais si tu es parti voir, c'est ça que tu as testé? Mais c'est ça. Non, mais on peut voir et puis on touche pas. Quoi? Ah, donc c'est que j'y vais pas. Il y a des affaires là, si tu as fait ça. C'est que il n'y a pas fait. C'est que il n'y a pas parti. C'est que il n'y a pas parti. Non, il y a resté à Guinée. C'est mieux comme ça. Il y a resté ici. Mais à quand la séparation Emma Dobré et Kérosène? On est bien ensemble. Donc vous n'allez jamais vous séparer? Tout va bien. En tout cas, à l'instant T là, tout est parfait. Défalé, nous, on doit gâter ça. Il faut qu'on gâte ça. Il faut être fort, hein. On doit gâter. Bon, il faut venir, il faut venir. Tu dois venir physiquement, spirituellement, et puis... Maraboutiquement aussi. En danger, ma base. Mais on dit que les hommes font l'amour. Ah ouais? On dit que son succès est basé sur les amours. Ah ouais, je savais pas ça. Non, moi, on m'a dit que c'est eux deux qui sont allés se coller pour aller dans un coin. Mais oui, on dit c'est elle qui... C'est l'association de la guerre. Non, mais les amours qu'on a fait là, c'est le Dieu qu'on prie. Maintenant, après, vous n'avez pas quoi. Donc, peut-être que... je prends Kérosène, je le mets dans mon corps, et puis il rentre au studio, il chante, et après, quand il sort de mon corps. Voilà les amours. C'est possible. Ça, c'est possible. Il y a échange d'âme. Ouais. Bon, peut-être que tu parles ça comme ça, mais peut-être que c'est ça ou même tu fais. Elle entend nous dire vraiment les choses. Hein. Elle souvent fait semblant de parler, mais ça y est dedans. Donc Emma, vous n'allez jamais vous séparer Kérosène et toi, c'est-à-dire que tu as pu te séparer de Saga la légende qui était ton homme, ton chéri. C'est-à-dire que vous vous êtes dans votre plus simple appareil. Hein? Lui, tu as pu le laisser. Ouais. Mais Kérosène, tu ne peux pas le laisser. Est-ce que je peux dire un gros mot? Dis un gros mot. La haka est là-haut. La haka est là, mais dis le gros mot quand même. Faut dire. Elle veut me suivre. C'est lui qui m'a déviagé. Aïe. Mais comment ça? C'est pas lui qui m'a déviagé. Qui lui, tu dis qu'il y a monsieur séparé de lui. Et tu ne peux pas prononcer son nom. Faut dire son nom. Non, je ne cherche pas de problème, moi. Non, je ne cherche pas de problème. Non, il est patronyme. Non, si. Bon, la légende. Voilà. Parce que je veux éviter les histoires. Voilà. Sinon, avant lui, je croisais des hommes. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Non, la vie continue. Mais les hommes-là n'étaient pas autant célèbres que lui. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, donc ça veut dire qu'Emma, dans le milieu. Non, pas dans le milieu. Pas dans le milieu. Tu as traîné ta bosse. Non, mais à la base, Emma même, là, normalement, il devait chanter. C'est pas bosse. Avant, bosse, c'est quoi? Non, Emma, toi-même là, en fait, à la base, là, c'est que les gens ne savent pas, c'est que toi-même, tu es une artiste. Moi, je suis une artiste même, dans les gens. Non, ça, moi, c'est ça. Avant d'être producteur dans le milieu du showbiz. Elle, là, c'est une artiste, hein. Baby, je connais tout le monde. Je connais, dans le showbiz, je connais tout le monde. Même les vieux artistes, tout ça, je les connais. En dehors de la légende, tu es sorti avec qui qu'on connaît? Moi-même. Après lui ou bien avant lui? Avant lui. Tu es sorti à Défalé? Non, non, pas moi. Toi, tu es loupé, hein. Non, il rigole, hein. Faut pas falloir dire le nom ici. Tu m'as loupé, il a dit le nom. Bon, je sortais avec une personne qui. Je sortais même avec un marié. Elle, la personne que moi, je connais. Une personne que lui. Que je connais bien. Légalement? Ben oui, on fait 15, on a eu 3 enfants. Mais dis le nom. Ben oui. Défalé, dis de ce que tu dis. Bon, après le monsieur aussi, elle est sortie aussi. Un autre gars du showbiz, mais j'ai été son nom. Non, qui? C'est pas moi. Faut laisser ça. Faut pas faire été parler. Non, faut pas parler. Faut laisser parler. Faire mon concert, faut pas gâter mon concert. Ah ouais, comme tu dis, on peut pas gâter à toi, puisque vous êtes là. Je vais te séparer tout de suite là de toi. Non, Kérosène, il connaît toute ma vie. Hein? Ah oui. Mais c'est mon confident, c'est mon ami. C'est mon... Il connaît toute ma vie. Il connaît la personne qu'il connaît là aussi. Il connaît tout le monde. Ah, c'est bon alors. Même s'il ne le connaît pas, mais il sait que ça a été, ça s'est passé. Dans le showbiz, il connaît, il sait. Mais est-ce que Kérosène, même, il n'a pas torpillé un peu Sarah quand Sarah était toi? Il a trop défendu.
Oui, il a trop défendu. La légende à l'Everest. Il va le torpiller pour prendre sa place, mais il va le torpiller pour bon, Emma, mais Emma, à part, bon, à part ça, tu as sorti combien de personnes connues dans le showbiz? Deux. Ah bon? Donc si tu laisses ça, à ce moment-là, il n'y a plus parlé. En dehors non, de Saga, deux. Tu as dit, hein, c'est ça, il non, fallait? Non, oui. En dehors de Saga. Avant Saga, après Saga, le showbiz, deux. Deux, ouais, c'est bon. Si tu disais ça, ben, si tu noms. Voulais discuter là, il y a là, jamais de la vie. Il fallait donner les noms. Non, c'est pas ça. Ils sont connus, hein, déjà. Ils sont connus. Bien même. Mais si ils sont connus, mais quand ils sortaient ensemble, ils savaient que c'est vrai. Je ne veux pas que les gens sachent même que tu sortais eux. Hein? Oui. Si, si. Vous mettez dans le silence. Vous voyez le showbiz, les gens se trompent dans le silence. La seule personne avec qui je me suis affiché et que je regrette de se regretter même là. Saga. C'est Saga. Mais pourquoi tu regrettes? Non, Emma, les non, mots sont que... forts. Non, non, il dit affiché. Oui, mais c'est... non, les mots sont forts. Parce... Oui, parce qu'après, il y a ce qui s'est passé. Donc tu penses que si tu n'avais pas affiché ta relation avec lui, ça allait durer? Je pense parce que une fois que tu affiches une personne, mm-hmm. les gens viennent parler après. Mm-hmm. Et pourtant, un jour, elle me le dit oui. que ça passe dans la ville, que je sortais avec le ami de Saga. Mais si d'ailleurs, ça passe dans la ville. Je t'ai défendu. Je t'ai défendu. Je te crois. Ah ben oui. Bon, tu ça, connais. Elle n'était pas là-bas, je suis là. Hey, tu me connais la légende. C'est moi qui me connais. Moi, je donne mon opinion. Voilà, non, tu plaises à cette ouais, personne. Dès qu'elle se plaise à cette personne. C'est ça. Mais en même temps, hein, aujourd'hui, bon, Emma, il est fort de constater, tu le sais, pourquoi dans le showbiz. Quand tu sois quelqu'un, si tu es plus que la personne est plus nette là, tout le monde vient mais parler en même temps. Qu'est-ce que c'est la jalousie? Ah ouais? Oui, c'est la jalousie. Oui, je suis d'accord, c'est la jalousie. Parce que mm-hmm. déjà, même quand je sortais avec le monsieur, mm-hmm. les gens me disaient beaucoup. Qui est le quoi? Monsieur là? Qui non, je laisse sais. Le, laisse, laisse le monsieur, pardon. Non, ça me fait bizarre quand tu dis non, le pas petit. Non, vous avez l'impression qu'il est pas. Non, c'est mon ami, il faut le laisser pas. Bon, c'est l'homme, quand je sortais avec l'homme, c'est souvent je l'appelais l'homme aussi. Donc, quand je sortais avec l'homme, il y a les gens qui venaient me voir. Mm-hmm. Et même ses amis. Mais tu fais quoi avec lui? Mm-hmm. Comme si, comme ça. Ses amis. Oui. Et même, il y a les gens même qui ne connaissent même pas, qui m'abordent. Tu vois. Donc, il y a les gens qui parlaient. Mais je venais lui dire. Hein, mm-hmm. lui disais, mm-hmm. voilà. Je faisais bien d'ailleurs. Je lui disais, mais j'étais avec lui. Je n'ai pas menti, c'est l'homme. Je l'ai, on va dire, je l'ai aimé. Je ne peux pas mentir. Je ne peux jamais le dénigrer. Non, je connais. Je ne peux pas le dénigrer. On a tous nos défauts. Et il y a aussi nos qualités. Mm-hmm. Voilà, ça n'a pas marché. Ouais. Bref, sinon. Mais aujourd'hui, ça voilà. va pour lui. Hein. Les gens disaient qu'il était gigolo, que tu l'entretenais. Voilà. Mais aujourd'hui, il vend ses poissons. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Mais voilà. Il est devenu un poissonnier, c'est bon. Il a une poissonnerie. Une poissonnerie, mm-hmm. un étang apparemment où il élève les poissons. Voilà, déjà. Poissons. C'est très bien. Tu es fier de lui aujourd'hui ah de oui, voir qu'il grave. A pris son envol. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Mais il paraît que chasser le naturel, il revient toujours au galop. On dit que Saga a repris son ancienne vie. Il commence à faire les travaillements, le boucan dans les boîtes de nuit. L'argent du poisson, il prend pour aller faire les boucan. Qu'est-ce que tu penses? Saga, il n'a pas fait rien. Il a fait mal. Est-ce que le chien peut changer sa façon de s'asseoir? Oui, moi, il n'a pas fait rien. C'est ton frère, ça. Vous allez dire mon frère. Non, c'est mon frère, mais c'est ce qu'il a entendu. Il répète. La légende, c'est mon garçon. Il connaît. Je lui ai dit, on ne s'est jamais croisé dans la boîte de nuit. Non, je n'ai jamais vu. Mais je ne sais pas, mais si tu as peut-être tu as vu ou bien tu as appris. Mais moi... Oui, j'ai appris ça. Et puis dernièrement, je l'ai vu non, dans si, un nouveau véhicule. Bon, non, si elle a appris, voilà. elle peut peut-être l'appeler pour dire, ah, mais Saga, il faut te calmer. Oui, voilà. C'est mon frère, ben, non, ah, Grando, il faut essayer d'aller mollo, hein, parce que là. Vous parlez toujours. D'où on vient. C'est ton grand frère. Quand on se voit, c'est ça, lui. On n'a pas de problème. Mm-hmm. On n'a pas de problème. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va se dire, mais quand on se voit. Non, mais en plus, c'est d'appeler pour dire allô, mon ex, comment tu vas, ça, mon ex, hein, mon ancien. Non, mais ça ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas déranger. Et puis, tu vois, quand je dis le cœur de Emma et moi, je te dis pourquoi. Pourquoi dis-nous, faut dire. Quelqu'un, tu l'as vu nu, dans de multiples positions. C'est pas fou. Hein, dans son plus simple appareil. Aujourd'hui, tu le traites de ton grand frère. Quand tu le mangeais là, il n'était pas ton grand frère. Le pain était sec. Aujourd'hui, quand tu veux plus le voir, les données changent. C'est ton frère. C'est quand c'était le pain. Non, mais les données changent. C'était pas le grand frère, c'était le pain. On se mange. Bon, j'ai pas dit ça. Croustillant. Dans le temps. Croustillant. Mais là, maintenant, c'est mon grand frère. Il n'y a pas de souci. Femme. Oh mon. Mais c'est mon grand frère. Faut mettre. On dit femme. F-E-M-E. Alors, donc, à quoi on doit s'attendre oui. Bientôt concernant Emma Dobré, son label, sa vie sentimentale voilà. et un mariage, des enfants encore. Voilà, c'est voilà. jamais. Non, le mariage, pour le moment, non. Parce que j'étais déjà mariée. Si je dois me remarier, il faut que ça soit vraiment le dernier mariage. Une fois pour deux. Voilà. Mais ça, tu ne peux pas le décider. Si tu n'as pas voilà essayé. Pourquoi, je ne suis pas pressée. Non, mais il faut essayer d'abord pour être... Essayer, déjà essayer, non. Donc, tu es resté dans ça là. Ah, je suis à l'SD. Hey. Sans pression quoi. Tu es grossi là. T'as pas aimé. Effectivement. Non, j'ai grossi. C'est vrai. Peu, oui. Ça veut dire que je suis bien là comme si tu es toi à l'aise. Faut pas rester dans l'allée aussi. Hein. Sans fou là. Et puis, Emma, elle a les grands gars. Hein. Les vrais de vrais. Touche bois.
Non, j'ai pas de grand, j'ai des grands amis. J'ai beaucoup d'amis. Non, mais celui à qui tu es en ce moment. Non, non, lui, ah oui. C'est un dieu. J'aimerais ça, on dit non, ça. Non, c'est un dieu, c'est un dieu. Ah oui, c'est un dieu. C'est un dieu. Ah, c'est bon. Ouais, c'est un dieu, c'est un dieu. C'est juste au moment là. C'est qui le roi 12-12? Pourquoi tu fais ça? Ah, d'accord. Le pauvre monsieur, il le connaît même pas. Il le connaît même pas. Tu es taclant, tu retournes un pack. Mais pourquoi lui? C'est le roi 12-12 qui a donné le. Le roi. Le grand. Peut-être être le parrain, mais pas sortir avec lui. On dit il y a une humoriste qui lui a demandé voiture, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que le roi 12-12, il a laissé le showbiz malien pour venir s'imprégner du showbiz ivoirien. Puis, il est entré définitivement. Emma Dobré. Donc, tu viens de dire que pour le mariage, tu n'es pas encore prête parce que tu as déjà été mariée par le passé. C'est ça. Tu sais ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment, ça. Tu n'es pas pressée. Pas du tout. Et concernant ton label, concernant Kérosène. Mon label, ça va. Kérosène, ça va parfaitement bien. D'accord. Voilà, tout à l'heure, comme je l'ai dit, on a deux concerts. Après le concert, une petite pause, on va se reposer. Et puis, décembre, on revient, on attaque et puis on prépare l'album. Ouais, voilà. Surtout l'album, combien de titres? On veut aller sur 20. 20 titres. On veut aller sur 20. Mais on est en train de voir ça. Alors, c'est le 20 qui est l'idéal. Genre, on va dire 20 nouveaux sons et. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Les 20, c'est compris les anciens ou ouais. 10 anciens et 10. Et 10 nouveaux, oui, c'est pas ouais. Mal. C'est comme normal, ça, ouais. C'est bon. Avec tous les sons qu'on connaît déjà, ça voilà, fait un album dessus, de belle voilà. Facture. C'est ça. D'accord, ça fait du bien. Ben, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Mais avant que ça ne tire à sa fin, des fallait. Si le roi 12-12, par exemple, Emma vient vers toi, il te dit vraiment, moi, tu me plais, Emma. J'aimerais avoir une relation amoureuse avec toi. Voici 50 millions. Mm-hmm. Tu refuses ou tu acceptes? Proposition indécente. Je refuse. Hey. D'accord. Oui. Parce que le roi Doudou, c'est le parrain de tout le monde. Mm-hmm. Si tu veux me donner le jet, donne-moi le jet. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'échange. Sans condition. Rien comme ça. Sans condition. Oui, bon, il okay. Est gentil. Bon, le roi Doudou. Bon, le roi Doudou. Ce n'est pas le roi Doudou. Ils ont un. Peu importe. Qui ça va être? Il dit qui ça va. 100 millions une nuit tout à l'heure. Il y a une animatrice qui a refusé 200 millions. Hein. Ça, tu peux refuser combien? Quand j'entends même 100 millions et puis on fait là, ça qui me fait. En fait, c'est ça qui me plaît pas même là. Mais peut-être que c'est pas être entendu, tu n'as pas vu. Et si tu vois 100 millions? Non, moi j'ai beaucoup d'amis avec qui je sors qui me donnent 2 millions, 3 millions. Non, pas 100 millions, mais je vais dire, il n'y a pas de change. Non, tu dis tu as entendu. Même si c'est 1 milliard, mais quand tu me dis. On n'a pas fait c'est ça avant qui de me fatigue, la, en fait. Ça qui lui fait mais mal. Pourquoi? Moi, il dit. Quand on te dit là, c'est dans tes oreilles, tu entends. Et si on met ça dans tes yeux devant toi? Ça ne va pas m'intéresser. Quand, c'est la, même ouais, c'est pas la même chose. Hein. Oh, mais lui, entendre et puis voir. Il va même être bizarre quand même. Hein. Emma, tu ne veux pas confondre entendre et puis voir. Même hein. Si tu mets ça devant moi, mais hein? Quand tu me dis prends, puis on va aller m'appeler là. C'est si ça qui me. Tes yeux ont vu. On dit prends. Non, c'est là, on a jamais la vu mallette quoi. Est là. La mallette est là. Les même si il y a 2 millions, dans ma tête là, je confie ça. Je multiplie ça en 100 millions, c'est là. Hein. Dans ta tête, ça devait l'argent. Emma, ça là. Emma, si on t'a mis 1000, 100 millions, c'est dans tes yeux comme ça. Il n'y en a pas dit que. Tu as entendu une femme qui accroît à l'argent, même quand je la vois, tu sais. Mais dans le milieu, on t'a jamais fait de proposition indécente. Jamais. Couché pour de l'argent. Non, 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 non. En fait, moi, c'est vrai que j'étais un peu avec les artistes, mais quand je suis entré dans le milieu, j'avais déjà le travail avec Kérosène. Mm-hmm. Donc je viens en tant qu'une femme qui s'impose au fait. Mm-hmm. On dit elle a l'argent, elle a Kérosène, son artiste mousse. Donc quand tu viens vers moi, tu sais que j'ai dit à ça. Mm-hmm. Donc tu vas me dire quoi? Donc l'approche change en fait. C'est ce que tu veux nous dire. Ça change même. Ça change. Mm-hmm. Mais les gars sont nerveux. Il faut laisser ça. C'est quoi le problème ça? Non, c'est pas moi. Il peut couper ton souffle. Ça me ferait même pas. Quelqu'un qui va débloquer le compte où il y a l'an pour aller aider quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'elle connaît pas. C'est ça qui me fait quoi? Ouais, mais je ne suis pas accro à l'argent. Généreuse aussi, je suis pas accro à l'argent. Non. Je ne suis pas accro à l'argent. C'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Selon les blim blim qu'on voit, on voit les filles faire dans des mariages autres, elles peuvent faire ça. Les voyages, je peux faire des voyages. Non, je réside en Europe. Oui, j'ai mes papiers. Je peux aller où je veux. Moi, j'ai eu un son qui est lourd. Ouais, okay. Je sais pas si je peux. Dans le son. Non, on dit en fait. Le label de Emma, c'est-à-dire c'est comme une couverture. Sinon, à la base, là, Emma est dans les trucs pas catholiques. C'est-à-dire qu'on m'attrape un jour. Moi, mais il prie Dieu. Tu vois, c'est pour ça que je ne veux pas dire. J'ai dit, c'est là. Il dit, après, moi, là, peut-être tout rouge. C'est ça. Et puis, il me dit, mais pas qu'il y a rouge. Parce qu'elle est même dans le feu. Mais toi, Non, Emma, ça n'a rien de personnel. Mais j'ai l'impression que Chola, tu dois en savoir un peu plus. Hein. Viens, Chola. Viens, Chola, laisse-la. Hey. Laisse-la. Où on assiste là? C'est vrai qu'on a une émission télé. Mm-hmm. Tu es une animatrice. Mm-hmm. Emma est notre invitée. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, on dirait que vous avez des relations. Elle connaît. Donc, vous voulez rentrer dans ce que nous, on ne doit pas encore entendre. Fais-toi entendre. Toi, tu as cité le nom des deux gars du show, vous avez gagné aujourd'hui. Là. C'est plus, ça va m'en foutre, mais ton piment. Non, mais Emma, pas ça.
Non, c'est que des rumeurs. Tu sais, chacun dit ce qu'il a envie de dire. C'est le showbiz, c'est le game. C'est le showbiz. Non, mais bon, voilà. Alors, Emma, dis-nous ton mot de fin. Il faut que tu invites la population au concert de Kérosène. La caméra est juste en face. C'est bientôt la caméra en face. Alors, lance un appel. Voilà, surtout les bébés de Kérosène au niveau de l'Europe. Okay. Le Bataclan, c'est vrai que le 9 est là, le 19, pardon, au palais est là, mais ça, c'est pas aussi à négliger. Mais j'insiste beaucoup sur le Bataclan. Le Bataclan, c'est une salle, comme on le dit, mythique. Mythique, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Le Bataclan a son histoire. Et aujourd'hui, le Bataclan rentre dans l'histoire de la France. Donc, ce n'est plus aujourd'hui une histoire de Kérosène, une histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de l'Afrique. Donc, je lance un appel à tous les Africains qui résident en Europe. On vous attend le 4 décembre au Bataclan. Pour encore relever l'artiste et lui donner encore la force. Bien sûr. Vous l'aimez, ne restez pas à la maison pour dire qu'on aime Kérosène. Il faut venir le prouver. Donc moi, je vous attends au Bataclan le 4. Et sans oublier le 19 novembre au Palais de la Culture. Je vous aime. Alors, toutes les communautés qui vivent en Europe, toutes les communautés, peu importe les villes dans lesquelles vous êtes, au Mans, à Nyon, partout, venez nombreux au Bataclan pour le concert de Kérosène. Kérosène. C'est très important. Et puis, on veut saluer aussi le roi 12-12. Hein? Voilà, qui soit salut, salut, mes parents. Le roi 12-12. Alors, on t'attend pour les tickets. Merci. L'émission tire à sa fin. Voilà. Alors, les big up, comme d'habitude, big up au DG Pierrot, big up à Ange Bleu le Cultivateur, big up à la marraine Mathilda, big up surtout au jeune industriel Franck Mian, big up à tous ceux qui partagent sur la toile partout nos actualités, Fafa, big up à tous ceux qui continuez, n'arrêtez pas massivement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci beaucoup. Et on sort couvert, big up à Kangala le Berger, big up à toute la grande famille et merci pour le soutien. On est ensemble.